écrit par Mathieu moi-même le 21, c'est ça. Quand ce sera l'heure de la fin, humain, on ne fera plus les marioles. Dépendant qu'on est de Dounia, on reniera les idoles. J'adresse des paraboles, la promesse est vérité. À mon Seigneur, la parole, des sept cieux, il est le roi des armées. Par ses larmes versées, quand on a rempli le bol, elle est pluie d'Orient purifiée, face à nos litres d'éthanol. Des oiseaux l'envolent, exaltent sa majesté. Il leur fait voir le tournesol, afin de compléter ce qu'ils avaient visé. Car ils connaissent son langage, sous sa louange pour bercer, les plus précieux de nos présages, oh Dieu seul peut les exaucer. Il est l'auteur de mes pages, chaque lettre par lui est écrite. Il accomplira, c'est certain, la prophétie d'Isaïe. Nul croyant peut en douter, on restera pas ici-bas. Le monde lui seul l'a créé, car il n'est de Dieu qu'en Allah. L'homme parlera mercato, quand on sera tous saisis, PMU empli de parieurs pros, où il suffira d'un cri, d'un frémissement face au vide d'infinies ténèbres. La parole du Créateur dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Créée comme toute chose, cela est facile pour Allah. Mon Seigneur est le Seigneur des cieux, du ciel et de la terre. Il est l'audient et l'omniscient. Celui qui entend et qui voit toute chose. Mesquine. Il arrive, lui. Mon Seigneur, le Seigneur qui a créé le ciel et la terre en deux jours d'égale durée, il s'est établi Istawa sur le trône, et nul n'est égal à lui. Il est l'audient et l'omniscient, le puissant et le sage.